tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un peu une pause de cette rentrée littéraire avec, il y a deux nouveaux romans qui sont sortis récemment au moment où je filme, c'est-à-dire il y a le 12 octobre qui sont sortis il y a genre une dizaine de jours pour un et il y a un peu plus de, il y a temps pour, il y a l'autre, mais ils ne font pas partie de la rentrée littéraire. Donc on fait un petit peu une pause. Il y a un livre de littérature française qui, vous allez le voir, n'est pas vraiment un livre, mais plutôt un anti-livre. Bref, c'est un ovni, mais un ovni absolument fascinant, ainsi qu'un livre de littérature irlandaise ultra attendu. Donc on commence cette vidéo maintenant. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier Sally Rooney Intermezzo et de un roman à papier... Pardon Vianney, Simon. Un roman à succès sur papier recyclé. Je suis désolée mais j'ai mis 100 ans à me rappeler de ce titre. Pourtant il est pas compliqué, il est juste un peu long. Qui a déjà été vendu 4 fois. Bref, c'est lui. Il y a l'ovni comme vous vous en doutez. Donc on va justement commencer par celui-ci. Alors, je vous explique. Ce livre, il n'est pas un livre classique. Ce n'est pas un roman où vous allez avoir une histoire absolument fascinante. Simon Drouard et Vianney Louvet se sont dit ça serait cool de créer un livre un petit peu original qui change et du coup accompagné de La Tengo, c'est leur maison d'édition. Je vous félicite parce que vous êtes une maison d'édition audacieuse qui n'a peur de rien et qui aime les paris et sortir un peu de la vie morne. Ils se sont dit on va écrire un livre... best-seller, ils sont en lice pour le Goncourt, voilà, à la fin il y a un discours du Goncourt, donc je m'explique, en fait à l'intérieur il y a littéralement, il y a tous les clichés, il y a d'un livre, je trouve que c'est un petit peu une satire du monde de l'édition et des livres, tout simplement parce qu'à l'intérieur il y a des préfaces, des préambules, des avant-propos, il y a des notes, il y a des dédicaces et même un manuel d'utilisation du livre. Je vous montre, ce n'est pas une blague, donc comme vous vous en doutez, c'est un livre à caractère humoristique. Il est pourtant rangé en littérature française, il n'est pas rangé en humour, il pourrait. Et au début, je me souviens très bien de quand j'avais reçu le bon de commande. C'est là où on reçoit toutes les nouveautés qui vont sortir. Je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu... original, je ne sais pas si ça va plaire à tous, très franchement. Donc j'en avais mis que 4, je crois, qu'on a rapidement vendu, parce que moi j'en ai pris un, il y a ma collègue en a pris un, il y a le frère de notre chef en a pris un, et on s'est retrouvé à zéro. Du coup je me suis dit, allez hop, j'en commande plein, et je pense réellement que c'est un ouvrage que vous pouvez offrir, pour les fêtes ou pour un anniversaire, mes deux, quelqu'un qui est fun. Voilà, si vous avez un vieux aigri autour de vous, je ne conseille pas d'offrir à Jean-Jacques ce livre parce que il ne va pas comprendre l'intérêt et il va passer à côté d'un masterpiece. Ce serait complètement dommage. Du coup voilà, c'est un livre méga drôle que j'ai lu de façon intégrale à la librairie en plusieurs jours. Hein. On ne fout pas rien, je tiens à le dire, on ne fout même pas rien du tout. Enfin bref, on travaille, il y a beaucoup et c'est difficile, mais sur mes pauses repas, sur 10 minutes, etc. C'est un livre qui peut vraiment se commencer et s'arrêter parce que c'est pas un livre classique, donc ça c'est vraiment génial. Les chapitres sont très très courts. Évidemment, au moment où je dis ça, il y a le chapitre 2 qui est absolument incroyable. Il y a même une page de respiration. Prologue, préambule, et il y a même une notice d'utilisation du roman. Bref, c'est un livre absolument génial si vous voulez rire. Très clairement, moi je me suis marrée à peu près toutes les 3 lignes. C'est génial et ils ont fait du coup appel à des personnalités plus ou moins importantes et connues. De mon côté, je connais que Guillaume et Meurice, Jenny, Letellier et Kemar. Voilà, et qui ont fait du coup des préfaces, et c'est méga drôle, ils se taclent entre eux. Bref, c'est un masterpiece, je ne vais pas trop vous en dire parce que ce serait vous gâcher le plaisir que de découvrir ce banger, mais voilà, je me suis pissée dessus de rire.
Donc si vous avez des sous-vêtements de rechange, ben achetez ça, c'est cool. Et il est à 15,50€. Et ensuite, le second livre qui n'a rien à voir avec le précédent, c'est Intermezzo de Sally Rooney, qui est notamment très connue pour Normal People. J'ai un accent de merde présentement parce que j'ai le nez un petit peu bouché. Normal People, donc traduit de l'irlandais. Il est sorti fin septembre, je crois, tout début octobre, je ne me rappelle plus. Il y a tellement de sorties à la librairie que je ne sais plus comment je m'appelle. Mais bref, je n'ai jamais lu Sally Rooney et comme on en a reçu une certaine quantité qu'il était un peu implanté il y a de partout, j'avoue que ça a titillé ma curiosité. Je n'étais même pas au courant qu'il allait sortir parce que c'est la littérature étrangère. Ce n'est pas, il y a mon rayon et parfois il y a des sorties que je loupe quoi. Comme ça ne me concerne, il n'y a pas directement. Du coup, j'ai été assez curieuse de ce livre. Je l'ai lu en une semaine, donc je l'ai lu quand même en assez longtemps. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu un livre en une semaine. Il y a non, je mens. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler d'un autre livre que j'ai lu en une semaine. Mais théoriquement, j'en lis 3-4 par semaine. Bref, sans le bandeau, ça ressemble à ça. Voilà, c'est chez Gallimard NRF. Bon, c'est un peu moins stylé. Disons que ça, ça fait en mode vous êtes un petit peu bourgeois à Saint-Germain-des-Prés. Et ça, vous êtes un petit peu plus stylé dans le Marais ou dans le 11e. Je ne sais pas pourquoi je cite, il y a Paris, j'y suis allée 6 fois et ça fait 3 ans que je n'y suis pas retournée. Bref, donc ça, ça parle de quoi? On suit Ivan et Peter qui ont une origine Europe de l'Est, je crois. Ivan a 22 ans, il est amateur. Il y a d'échecs, il est joueur professionnel si on peut dire, il essaye de se trouver une vocation mais pour, il y a le moment il fait des compétitions professionnelles. C'est, il y a un homme assez introverti qui a du mal à s'exprimer socialement, qui est un petit peu, on pourrait dire autiste, mais autiste ça veut tout et rien dire et ça, il y a m'énerve un peu, il y a de dire qu'il est autiste juste parce qu'il est un petit peu différent. Bref, mais je pense qu'il a un petit peu des troubles si on peut dire autistiques. Bien que je n'en suis pas sûre, je ne suis pas médecin. Bref, son grand frère, il y a Peter, a 32 ans, il est avocat assez éminent à Dublin et il sort avec, il y a deux filles à la fois. Je vous explique, il y a ne le blâmer, il n'y a pas trop, il y a une histoire assez compliquée. Oui, il était en fait en couple avec Sylvia, une femme qu'il aimait énormément, qui a eu un accident et qui depuis, il ne peut plus avoir de relations sexuelles. Du coup, lui c'est un homme, ça reste un homme, il doit assouvir ses besoins grégaires. Et du coup, elle le pousse, ce qui est vrai, à se trouver quelqu'un, il y a d'autres avec qui il puisse avoir des vraies relations. Du coup, ils se séparent, mais ils restent encore plus ou moins ensemble et il se met du coup en couple avec, il y a Naomi, 23 ans, une jeune femme un peu junkie, un peu prostituée, un petit peu instable quoi, qui vit un petit peu dans un squat, dans des conditions pas ouf. On apprend du coup assez rapidement qu'elle vend son corps et lui il y a l'entretien très clairement. Il lui donne, il y a de l'argent, elle vit un peu à ses crochets et Sylvia il la voit il y a de temps en temps. Du coup voilà, il a un petit peu cette double vie, il n'y a pas très stable mais qui lui convient dans un certain sens parce qu'il y a les aime chacune, sauf qu'il est vraiment très amoureux de Sylvia et encore très attaché à elle, bien qu'il ne puisse plus avoir de relations physiques. Ils peuvent faire, il y a d'autres trucs mais elle ne peut pas, voilà, dans le sens clinique du terme avoir des rapports. Et c'est littéralement l'histoire, il y a de ces deux frères en tant qu'hommes, il y a dans leur vie à eux, mais aussi il y a leur lien en tant que frères, une relation qui est assez difficile parce que Peter est bien plus âgé que Ivan, il a 10 ans de plus. Ils n'ont pas été très proches il y a depuis qu'ils sont adultes et il y a un petit peu ce jugement réciproque du style il y a Peter sort avec, il y a deux femmes à la fois et Ivan va se mettre plus ou moins en couple avec une femme de 14 ans, son aîné. Voilà, donc Peter est critique Ivan, sauf que il y a la même chose. Bref, c'est aussi une histoire de deuil qui est très présente tout au long du récit parce que en fait ils ont perdu leur père et c'est un traumatisme, c'est un deuil assez difficile pour l'un comme l'autre. Et du coup c'est vraiment comment surmonter ce deuil quand on est adulte, quand on est frère, quand on est amoureux. Bref, c'est vraiment cette histoire-ci
dont traite le roman. Voilà, donc c'est énormément sur leur lien en tant que frères, relations sociales, etc. En Irlande, c'est pas le livre qui, honnêtement, y a bouleversé. Il y a la preuve, j'ai mis quand même une semaine à le lire. Il fait 450 pages, il est quand même assez fat. Et c'est une alternance de récits et de points de vue, parce qu'en fait, tout au long du roman, on a un moment on suit Peter, un moment Ivan. Et du coup c'est pas mal parce qu'on suit leur vie qui est très différente l'une de l'autre. Ils ont également leur mère qui est présente, qui s'appelle Christine, mais qui vit plus dans le nord du pays et qui ne voit que très peu parce qu'elle a refait sa vie, etc. Et voilà, les commentaires sont assez bons, du style « J'adore Sally Rooney !» Il y a beaucoup, il y a tante, il y a deux limités, il y a mes peu rivalises de Zadie Smith, où il y a le Times qui dit « La voix de sa génération ». Alors oui, ça peut nous parler effectivement, après je ne me vois pas être en trouble ou avoir il y a deux compagnons, ou sortir avec quelqu'un de 14 ans, il y a de moins ou de plus. Mais enfin bon, ce sont des situations qu'on peut comprendre. De mon côté, je ne les ai pas vraiment jugées, j'ai laissé mon esprit suivre cette histoire. Si, j'ai bien aimé surtout suivre Ivan, et il y a le début de cette relation avec Margaret, qui en fait travaille dans un centre artistique et culturel où elle va en fait recevoir Ivan en tant que joueur lors d'un tournoi, et elle va vraiment l'aimer, elle va apprécier le fait qu'il soit passionné, et même son air un petit peu introverti et limite autiste comme je vous le disais va l'attirer finalement. Donc voilà, il est beaucoup question de ça. C'est un bon livre, je lui mettrais 7,5 sur 10, on va pas non plus s'emballer. Et j'ai oublié de vous dire, lui je lui mets 25 sur 10, voilà, je pense que c'est évident. Bon écoutez, c'en est tout pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Le Sally Rooney ne m'a pas emballé comme vous l'avez vu. Par contre, je vous conseille bien plus dans un style complètement différent, celui-ci qui s'est déjà vendu 4 fois, c'est fabuleux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces il y a deux titres vous auront donné envie. Je pense qu'il y aura plus de retours sur les réseaux de celui-ci que de celui-ci, c'est bien dommage. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo de la rentrée littéraire. Bye !